Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous voulons parler de la rencontre qui va opposer le tout-puissant Mazembe au Raja de Casablanca, les matchs comptant pour la phase retour des quarts de finale de la Champions League de la CAF les samedis prochains, 7 mars 2020, à Kamalolo à 15h, heure de Lubumbashi, mais à 14h, heure de Kinshasa. Beaucoup de questions se posent au niveau du public, des supporters du tout-puissant Mazembe à cause des présents Poutou à son sujet. Est-ce que Poutou a été écarté du groupe? Poutou est suspendu, Poutou ne va pas jouer la phase retour. Pourquoi Poutou n'a pas fait les déplacements pour les matchs du championnat à l'est du pays? Pourquoi il n'était pas du groupe pour les déplacements au Maroc? Toutes ces questions ont été répondues hier par Frédéric Kitingé, le manager du club qui a précisé les retours dans les groupes des 13 ans Poutou. Trésor Poutou qui avait manqué son vol pour l'Est du pays à cause de sa propre faute. Il avait écopé alors d'une amende financière. Il a déjà payé. Actuellement, il a repris les entraînements avec les groupes. Et pour les Maroc, il n'était pas en déplacement parce qu'il semblait qu'il avait repris les poids et il fallait beaucoup travailler sur son physique. Il fallait doubler les heures d'entraînement pourvu qu'ils reprennent les tops et qu'ils réintègrent les groupes. Chose qui a été faite. Actuellement, il est en groupe à Futuka où le club est en train de préparer cette manche retour de la Ligue des Champions quart de finale de la CAF. Par rapport toujours à cette rencontre qui va se jouer à Kamal City, le public qui est peut-être déçu de la prestation du tout-puissant Mazembe à l'aller. Mazembe qui s'est fait battu sous les scores des débuts à zéro. Déjà à la 6e minute, on pouvait compter les premiers buts de Raja de Casablanca, l'ouverture du score par l'ancien attaquant du tout-puissant Mazembe, la personne d'Eben Malango. Et les publics, je ne sais pas, il est effrayé, il essaye de paniquer, mais tout est mis en place pour que Mazembe remonte d'abord la pente, remporte la rencontre et que Mazembe se qualifie pour la prochaine phase de cette compétition. Par rapport à ça, Moïse Katumbi, qui est le président du club, a lancé un message à tout public du tout-puissant Mazembe, supporters, mais aussi à tous les Congolais de partout de pouvoir soutenir Mazembe. Il a dit ceci, ils nous ont battus par début à zéro chez eux, mais sachez que chez nous, il y aura un miracle. C'est le message de Moïse Katumbi, les patrons ou les présidents de ce club, l'unique club congolais qui nous représente actuellement au niveau de l'Afrique. Mais aussi des joueurs comme Isaac Chibangu qui a écrit sur son compte Facebook, il a dit que ce n'est pas encore fini, rien n'est perdu, l'impossible n'est pas Mazembe. De l'autre côté, Jackson Muleka, la vedette de cette équipe, lui aussi a lancé les messages demandant le soutien du peuple congolais pour cette phase cruciale de la compétition. Jackson Muleka a dit que tout n'est pas perdu, Dieu est au contraire.